Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'album que j'ai réalisé ces derniers jours, hein. Donc j'ai pris la collection Christmas Time de Scrapboy, hein, les derniers papiers que je me suis acheté. Donc j'ai déjà découpé, ça m'a pris du temps, hein, j'ai déjà découpé pas mal de die-cut du petit livret là. Donc j'ai réalisé, c'est un album pop-up. Alors j'ai suivi le tuto de Libellus Scrap. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, hein. Donc voilà, donc là c'est un tissu que je me suis acheté, ben, je ne sais plus où. Donc le ruban c'est pareil, c'est un ruban que j'ai depuis longtemps. Donc j'ai utilisé là sur la couverture, j'ai mis une image de la collection, j'ai mis des fleurs et tout. Merry Christmas. Donc c'est un album pop-up. Donc voilà, comme ceci. Donc au milieu, on pourra mettre trois photos. Alors deux comme ça et une là. Et là, une ou deux, vous verrez. Donc voilà pour la première page. Donc comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mis des petites images de la collection. Donc voilà. Là, on peut mettre deux photos. Donc là, on peut glisser en dessous. Hein? Là, on peut mettre des photos. Donc pareil, hop, et comme ceci. Là, on peut mettre une grande photo là. Comme ceci. Donc là, c'est pareil, une grande photo, des petites. Comme ça, et comme ça. Celle-là. Donc là, c'est pareil, on peut glisser là. On peut glisser en dessous. Il faut que je recolle ma petite étoile là. Comme ceci. Là, j'ai mis une petite composition avec une petite fille. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Bon, j'aime bien. Donc, je vous montre la tranche. C'est comme ça. Donc, c'est quatre feuilles. J'ai pris quatre feuilles. Comme ça, on plie. Et comme ça. Et après, on les rassemble deux par deux. Et donc, ça vous fait comme un accordéon. Et vous mettez vos petits encadrements, deux d'un côté et un de l'autre. Comme ceci, vous voyez, deux d'un côté, un de l'autre. Ça. Voilà. C'est simple, hein. J'ai bien aimé faire ça. Il y a longtemps que j'avais fait un album. Hein. C'est franchement. Mais je suis assez satisfaite de moi. Peut-être que mon papier est un peu trop épais, donc c'est vrai que ma tranche est épaisse, mais bon, après tout, après c'est pas bien grave. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, hein, puis je vais vous dire à bientôt. Au revoir.